réduire le poids des dépenses climatiques qui atteignent jusqu'à 10% du budget national de certains de ses pays membres régionaux. Tel est l'objectif que s'est assigné la BAD, Banque africaine de développement. Il faut souligner que ces dernières années, de nombreux pays africains ont dû transférer des ressources prévues pour des secteurs de développement essentiels, comme la santé ou encore l'éducation, vers des dépenses liées aux actions d'adaptation et de résilience climatique. C'est une question de toute première importance pour nous à la Banque africaine de développement. Les pays en difficulté étant aussi les États les plus vulnérables au changement climatique, nous cherchons à éviter que les dépenses climatiques affectent leur développement socio-économique. La BAD a lancé plusieurs initiatives en accroissant ces 5 dernières années les ressources consacrées au financement climatique. Alors qu'elle n'était que de 9% du volume total de ses approbations en 2016, la part des financements climatiques de la banque est passée à 28% en 2017, puis 32% en 2018, avant d'atteindre 36% en 2019, soit près de 3,6 milliards de dollars. L'intention de la Banque africaine de développement est a priori louable. Formulée comme telle, la banque est en train d'adresser un message à nos États comme quoi le secteur environnemental n'est pas prioritaire. Or, rappelons-nous qu'en matière de développement durable, on garde toujours en vue trois aspects. Le développement économique, le développement social ou culturel et le développement environnemental. Mettre 10% de son budget national sur les questions environnementales au niveau national n'est pas exagéré. Donc, la question n'est pas de réduire ce pourcentage-là au risque de faire croire que d'autres secteurs sont plus importants que le secteur environnemental. Alors que lorsque le secteur environnemental est menacé, les autres activités le sont également. Face à l'urgence climatique marquée ces dernières années par des cyclones, inondations et sécheresses, en partenariat avec le Centre mondial pour l'adaptation, la banque ambitionne d'accélérer les actions d'adaptation et de résilience climatique en Afrique. Elle envisage de consacrer 25 milliards de dollars d'ici 2025, dont 12,5 milliards de dollars de fonds propres.